Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a entamé sa tournée africaine. Le premier ministre japonais Shinzo Abe, arrivé hier à Abidjan, s'est envolé ce samedi pour le Mozambique. Il a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le chef de l'État Alassane Ouattara et plusieurs personnalités. Pour cette visite officielle en Côte d'Ivoire, le chef de l'exécutif japonais était accompagné de son épouse et d'une quarantaine de chefs dont 11 chefs d'État de la CEDEAO ont effectué le déplacement à Abidjan. Ils ont tenu un sommet avec le premier ministre japonais. Le président ivoirien, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a lancé un plaidoyer pour un accroissement des investissements du pays du soleil levant en faveur des pays de la CEDEAO. Et avant son départ pour le Mozambique, le premier ministre japonais a assisté à la finale d'un tournoi de judo dénommé Coupe Abe de judo au Palais des Sports de Trècheville. Le premier ministre nippon a offert aux sportifs de cette discipline plusieurs équipements, nous explique Daniel Kwebikwalo. Journée spéciale et inoubliable pour le judo ivoirien qui a reçu la visite du premier ministre japonais, son Excellence M. Shinzo Abe, accompagné de son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Denkan. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération ivoirienne de judo et le mouvement sportif, tous ont voulu témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au peuple japonais pour son soutien dans la promotion et le développement du judo en Côte d'Ivoire, en organisant une compétition par équipe au Palais des Sports de Trècheville portant le nom du Premier ministre du Japon. La finale opposant Kumasi à Yokugon a été remportée par Kumasi qui a reçu des mains du Premier ministre Shinzo Abe le trophée du vainqueur. L'équipe finaliste est récompensée par le Premier ministre Kablan-Denkan. Pour marquer ce passage au Palais des Sports de Trècheville, le Premier ministre Shinzo Abe a fait un don de matériel à la Fédération ivoirienne de judo, représenté symboliquement par la remise de judoji à un jeune judoka. Avant de prendre congé de ses hôtes, le Premier ministre japonais a posé pour la photo de famille. Ce samedi également, le Premier ministre japonais a visité en compagnie du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denkan le centre d'alphabétisation Marie-Eugénie situé à Angré dans la commune de Cocody. Pour Shinzo Abe, ce centre qui contribue à l'intégration sociale des jeunes filles déscolarisées est la preuve de la solidarité entre les deux pays, manifestée à travers le soutien qu'a apporté le Japon à la construction et à l'équipement de ce centre. Les rapatriés ivoiriens venus de la Centrafrique ne sont pas oubliés. Ils reçoivent le soutien de l'État. Après la visite de certains membres du gouvernement ivoirien, c'est l'Assemblée nationale qui vient en aide à ces Ivoiriens venus de la Centrafrique. La vice-présidente de l'Assemblée nationale leur a fait des dons en vivres et non-vivres, un geste bien reçu par les rapatriés ivoiriens. Et sur place en Centrafrique, suite de la démission du président Michel Diotodia, on vient de l'apprendre, l'ex-président centrafricain est en route pour le Bénin où il va vivre en exil. Information confirmée par les autorités cadiennes et béninoises. Installé au pouvoir en mars dernier par les rebelles de la Séléka, Michel Diotodia a démissionné hier avec son premier ministre Nicolas Tiangaï sous la pression des dirigeants des pays d'Afrique centrale qui considéraient leur départ comme l'une des conditions à l'arrêt des affrontements armés. L'annonce de sa démission, vous le savez, a été accueillie par des scènes de liesse vendredi dans les rues de Bondy, capitale centrafricaine. Et en bref, en Égypte, le général Abdel Fattah al-Sissi, chef de l'armée et homme fort de l'Égypte qui a destitué le président islamiste Mohamed Morsi, vient de déclarer qu'il serait candidat à la présidentielle si le peuple le réclame et si l'armée le soutient. 11 janvier 2013, 11 janvier 2014, cela fait un an, jour pour jour, que l'opération Serval a été déclenchée au Mali. Au plus fort des opérations, 5 500 hommes étaient mobilisés dans l'opération Serval au Mali et dans la région. Serval aura conduit à l'élimination de près de 400 djihadistes. Aujourd'hui, moins de 2 500 soldats sont présents au Mali. Paris s'est fixé pour objectif de réduire la présence française à 1 600 hommes à la mi-février. Ariel Sharon s'est éteint, militaire puis homme politique. Ariel Sharon, principale figure de la droite israélienne, a tiré sa révérence aujourd'hui à l'âge de 85 ans, après 8 ans passés dans le coma. Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu,
Sa mémoire restera jamais dans le cœur de la nation israélienne. Rappelons qu'Ariel Sharon était premier ministre lors de sa brutale plongée dans le coma en 2006. On se retrouve à 20h. Thank you.